commence aujourd'hui la promotion du film France à Toulouse. Dans quel état êtes-vous? Comment vous sentez-vous alors que vous apprêtez à découvrir le public toulousain? Je suis bizarrement très serein, c'est rare que je le sois, mais je suis tellement fier de ce film et d'avoir participé à ce que je pense être un grand film, et un grand film de François Ozon en plus, l'occasion de travailler avec lui. Le public toulousain, je le connais parce que je suis venu déjà 2-3 fois, notamment pour présenter Un homme idéal, il y a de ça 2 ans, et c'est une ville que j'adore, et j'ai été biberonné à Nougaro et à l'amour de Toulouse depuis que je suis petit, parce que j'ai eu de la famille là-bas, et puis mon père aime beaucoup Toulouse. Donc j'ai hâte en fait, et puis le public à Toulouse est toujours assez chaleureux et bienveillant, donc c'est chouette, j'ai hâte de leur présenter le film et de voir ce qu'ils en pensent, parce qu'il y a beaucoup de... On peut imaginer beaucoup de choses différentes à partir de ce film et de ces personnages, donc j'ai hâte de voir comment les gens vont recevoir ça. Et en tant qu'acteur, donc vous connaissez Toulouse, quel genre de film est-ce que vous aimeriez tourner à Toulouse si c'était possible, si on vous proposait? Moi, je vois souvent la jeunesse, je ne sais pas si c'est parce que je regarde un peu les gens de ma génération, mais je vois souvent beaucoup de jeunes gens dans les rues à Toulouse, beaucoup d'étudiants, d'étudiantes. J'aimerais faire un film assez moderne en fait sur Toulouse, qu'est-ce que c'est la vie de cette ville aujourd'hui, maintenant. Voilà, j'aimerais bien faire ça, mais voilà, c'est ce que ça m'inspire quand je viens, mais il faudrait que je vienne plus longtemps pour vraiment passer du temps avec les gens, écouter cet accent que moi j'adore, et puis peut-être j'aurais d'autres idées un peu mieux, il faudrait que je passe du temps ici plus. Et du coup, s'il y avait un mot qui vous venait à l'esprit pour définir cette ville, qu'est-ce que vous diriez? Non, mais je suis obligé de dire Ville Rose, parce que j'ai écouté Nougaro dans la voiture en venant. Une chanson préférée de Nougaro? Bah celle-là, Toulouse. Alors voilà, on s'est trompé de clé, donc je rends la clé au réalisateur, histoire de ne pas aller dans sa chambre et brosser les dents avec sa brosse à dents. Voilà, bienvenue dans les coulisses du cinéma français.